J'ose à peine le dire, cette musicien que Philippe Lachaud n'apprécie pas. Alors que le film Alibi comme deux cartonnes en ce moment au cinéma, Philippe Lachaud s'est livré dans les colonnes de Libération pour une interview musicale. L'occasion pour l'acteur et réalisateur d'admettre qu'il n'apprécie pas spécialement l'œuvre de l'un des plus grands interprètes et compositeurs de la chanson française. Babysitting, Alibi comme, Mon pote, Nicky Larson et Le parfum de Cupidon. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il est indéniable que Philippe Lachaud s'impose aujourd'hui comme le roi de la comédie française. À 42 ans, l'acteur et réalisateur rencontre un énorme succès au cinéma. Une belle réussite qu'il partage avec ses amis comme Tarek Boudali. Mais aussi et surtout avec sa chère et tendre Élodie Fontan, avec qui il est uni à la ville comme à la scène. Parents d'un petit Raphaël, les deux comédiens forment l'un des couples les plus glamour du cinéma français. Totalement inséparables. Les deux tourtereaux n'hésitent d'ailleurs pas à se taquiner régulièrement sur les réseaux sociaux. Par interviews interposées et même dans les coulisses de leur tournage où les blagues et petits coups bas fusent à tout va. Bourré d'humour et de second degré, Philippe Lachaud, en vrai bout en train, n'en rate pas une pour faire rire le public. Comme cette fois où l'acteur avait confondu le présentateur Mouloud Achour avec l'un de ses anciens comparses du collège. Dernièrement, le comédien s'est laissé aller à des confidences qui étonneront une bonne partie du public. En effet, interviewé le 18 février par Libération sur ses goûts musicaux, Philippe Lachaud a avoué écouter beaucoup de musique, « J'écoute beaucoup sur mon téléphone qui me balance le son sur des enceintes. » Beaucoup de musique en voiture également. Je peux même m'ambiancer tout seul à me croire dans un concert en chantant très fort en dansant. Parfois on doit me prendre pour un fou. Guillaumet. Et si le premier disque qu'il a acheté en étant adolescent était Thriller de Michael Jackson, qu'il considère comme le plus grand artiste de tous les temps, le leader de la bande Afifi a confessé ne pas apprécier spécialement la musique de l'un des grands artistes de la chanson française. À la question « Le disque que tout le monde aime et que vous détestez », Philippe Lachaud a simplement répondu « J'ose à peine le dire. Mais je suis toujours passé à côté de Gainsbourg. » Guillaumet. Bref, entre l'acteur et le chanteur, c'est donc « Je t'aime, moi non plus. » Arnasta cu racheta, s-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu meretate printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea de din cap rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc Plutonul cu fiecare text pe mafia paradisă.